tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des produits terminés. Et oui, comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai terminé pas mal de produits. Et en fait, en plus, j'ai à côté du panier également. Donc voilà, j'ai terminé pas mal de produits. Donc c'était pas des produits neufs, hein. C'était des produits en fait que j'avais. Qu'ils étaient ouverts et que je les ai terminés. C'est pour ça que j'ai terminé autant de produits. Voilà, mais c'était pas des produits en entier que j'ai terminé en un mois, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais commencer tout de suite parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer encore très très longtemps. Et donc en premier, je voudrais bien saluer tout le monde et vous faire de très très gros bisous et merci pour votre soutien. Donc je vais commencer tout de suite et je vais commencer par les produits en fait que j'ai ici sur le côté. Et ce sont des produits alimentaires et des produits ménagers. Donc je vais commencer par ça parce que sinon j'arrive même plus à m'asseoir en fait ici. Donc j'ai terminé un désodorisant comme ceci, donc ça vient de chez Manor. Franchement j'ai pas aimé, donc c'était la rhubarbe et à la rose. J'ai pas beaucoup aimé en fait parce que ça, on sentait presque rien, donc voilà, c'était inutile. De la marque Ambi Pure, hein, donc j'ai utilisé un produit pour les toilettes. Donc c'était un spray en fait, vous savez, pour laver les toilettes. Franchement c'était très très bien, donc ça nettoyait comme il faut. De la marque Washo, donc ça ce sont des petites feuilles pour laver le linge. Donc c'est de la lessive en fait, en feuilles, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai eu trois échantillons, donc trois feuilles, donc je les ai utilisées sur couleur et sur le noir. Sur le noir c'est parfait, ça laisse pas de traces, ils sont vraiment très très bien. Et sur la couleur pareil, j'ai pas utilisé sur le blanc, je sais pas ce que ça vaut sur le blanc, mais franchement sur les couleurs et le noir, ça c'est vraiment très très bien. Et donc là j'ai reçu ceci par la marque, franchement c'est tip top, donc je vous recommande. Ensuite de la marque Sun, donc j'ai utilisé un gel de lavage, donc c'est un gel tout en un pour le lave-vaisselle. Franchement ça j'ai adoré à l'utiliser et je pense que dorénavant j'utiliserai que ça. Voilà, donc là je suis en train d'utiliser mon deuxième et je pense que quand il y aura en promotion je rachèterai, parce que les pastilles, ma machine elle n'en veut plus. Est-ce qu'elle est assez vieille ou est-ce qu'elle est vieille ou pas, ou pourquoi elle veut pas les pastilles, je ne sais pas. Mais sinon le gel c'est vraiment tip top. La marque Excelia, j'ai utilisé un adoucissant pour le linge, donc c'est la fraîcheur, parfum et douceur. Franchement j'ai adoré la marque Excelia, voilà, j'ai adoré à l'utiliser, c'est le bleu. Et en ce moment je suis en train d'utiliser, le bleu, et j'ai utilisé également le rose qui est vraiment très très bien aussi, et il m'en reste un rose en backup, donc franchement en stock, et franchement c'est vraiment très très bien. Donc ça vient de chez Micro, vraiment un très bon produit. Ensuite de la marque RW5, donc de chez Lidl, un désodorisant pour les toilettes, donc c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ça c'est des mouchoirs de la marque Felty. Donc ils sont pas parfaits. De la marque Pots de chez Migros, donc j'ai utilisé en fait un liquide pour le sol, donc pour laver le sol. Franchement, c'était vraiment très très bien et je l'ai racheté. Franchement, je l'ai racheté. Là, de chez... il me semble que la marque Tandil, c'est chez Lidl. Il me semble, là, j'ai rien, mais je pense que ça vient de chez Lidl. Donc, c'était des pastilles, en fait, pour les toilettes, pour le nettoyage des toilettes. Donc, vous mettez une pastille dans les toilettes, vous laissez agir pendant 5 minutes, 5-10 minutes.
Et donc vous nettoyez après, vous savez, une espèce de mousse en fait qui se forme donc quand la tablette elle se dissout. Donc il n'y a plus qu'à laver et franchement c'est vraiment très très bien, ça détartre comme il faut et ils sont vraiment top ici donc je rachèterai. Ensuite, il me reste que des produits alimentaires. Attendez, je regarde. Donc, ici, des éponges qui viennent de chez Migros et que j'ai pas aimé. Donc, c'est la marque Miobril. Donc, comme ceci, c'est des éponges que je n'aime pas du tout. Ils se défont et ils ne durent pas très très longtemps. En fait, c'est vraiment pas de la qualité. De la marque Graffschafter bio, donc du pain. Donc ça, je pense que ça vient de chez Lidl. Chez Aldi, je sais plus. Bref, je sais plus du tout. C'est pas indiqué. Je pense que ça doit venir de chez Lidl, ça. De chez Lidl, oui. Donc, c'est du pain avec des... attendez, comment ils appellent ça? C'est du pain sans gluten et c'est du pain blanc, voilà, sans gluten, comme ceci. Donc j'ai adoré à le manger, franchement, je rachèterai. Ensuite, des cookies de chez Aldi, donc au triple chocolat, j'ai adoré, sans gluten également, donc ils sont topissimes, je rachèterai. Des cookies, la gourmande, donc des cookies de la marque Velmondo, donc des cookies vegan au cacao et vanille, donc très bien aussi. Donc ça vient de chez Lidl. Ensuite, du pain de chez Aldi, donc du pain aux graines tranchées, donc comme ceci. Franchement, il est très très bien. Donc de la marque Enjoy. Enjoy Free, ça je rachèterai et ça vient de chez Aldi et c'est 1,79 francs, donc pas cher par rapport à chat qui coûte 5 francs, donc mon Dieu. De la marque Al Natural, donc j'ai goûté les barres comme ceci, donc sans gluten, franchement ça je reprendrai. De la marque Bio Primo. Donc ce sont des cornflakes, enfin de chez Müller, au maïs, donc ça j'ai adoré et je rachèterai. Et le dernier en fait c'est le pain pardon, blanche tranché comme ceci, donc de la marque Enjoy Free et donc c'est sans gluten aussi. Et là on passe aux produits de beauté, voilà. Donc, j'ai utilisé la marque Primella, donc j'en ai utilisé deux. Donc, ce sont les cotons ovales comme ceci, la marque Primella Deluxe. Franchement, ça c'est très très bien. Ce sont des disques ovales et j'adore les utiliser, donc je les rachèterai. Ce sont les meilleurs que j'ai utilisés jusqu'à là. Donc, j'ai repris les Primella, les petits. Donc, les petits, je les utilise uniquement pour appliquer mon micellaire. Pour appliquer ma lotion tonique et une grosse déception avec les cotons de chez Yves Rocher. Donc ce sont des cotons démaquillants bio organiques, donc ultra doux peut-être, mais franchement ils se dédoublent rien que de mettre le produit sur le coton, il est déjà défait, voilà. Donc un soir en fait ma fille a commencé à se démaquiller, elle m'appelle, maman vient ici d'urgence, je dis qu'est-ce qu'il y a, elle me dit mais maman ça c'est de la pure, ne les rachète plus, où est-ce que tu les as eus, et voilà, je dis bah c'est des cotons Yves Rocher, je dis qu'est-ce qu'ils ont, et elle me dit mais regarde comment ils se dédoublent, j'ai juste mis le produit dessus et je commençais à me démaquiller, ils se dédoublent, regarde j'ai plein de visage. C'est rien du tout, franchement ça je vous les conseille pas du tout du tout du tout. Alors de la marque Always, donc des serviettes hygiéniques comme ceci, cela c'est les Ultra Secure Night, donc ils sont très bien, je pense que je rachèterai. Donc un gel, un savon de douche au miel,
Donc la marque L'Essentiel de lavande, ça j'ai eu dans une beautiful box, je n'aime pas du tout, je n'ai pas aimé l'odeur, je n'ai pas aimé le rendu sur la peau. Donc après la douche, il fallait passer une bonne crème en fait, parce que sinon la peau elle est sèche. Franchement, ça dessèche la peau et je n'ai pas aimé du tout. Un produit pour les yeux, un démaquillant yeux de la marque Nivea, franchement ça je reprendrai, et j'en ai encore un que j'utilise, j'en ai encore un en backup, donc ça c'est le biphasé et franchement ça je le rachèterai. De la marque Colgate, le Max White comme ceci, ça je rachèterai un dentifrice, donc il est parfait, voilà. De la marque Centifolia, une lotion tonique pardon, une lotion tonique hydratante comme ceci. J'aime beaucoup la marque Centifolia, c'est au petit prix et vous la trouvez en fait dans les magasins bio en France. Donc là il me reste encore un grand flacon en fait de ce produit, donc c'est le même, donc là c'était 200 ml, il me reste un grand de 400 ml. Bon bah ça tombera plus bas, tant pis. Voilà, donc je le rachèterai si je le retrouve. Donc la marque Schwarzkopf, la gamme Shauma, donc j'ai utilisé un shampoing pour les cheveux colorés et franchement j'ai adoré utiliser ce produit. Je pense que je le reprendrai parce que je le trouve chez DM en Allemagne. La marque Hypec, donc de chez Otos, on a utilisé des cotons-tiges, ils sont parfaits à petit prix, donc je les reprendrai. De la marque Canité, donc j'ai utilisé une crème. Alors, c'est un soin aérien et gourmande qui fait visage et corps. Donc, c'est une crème fouettée visage et corps au beurre de karité, en huile de baobab et huile de nigel. Franchement, de Nigel, de Nigel, bref. Franchement, c'était une très très bonne crème. Moi, je ne l'ai pas utilisée sur le visage, j'ai utilisé uniquement sur le corps. Mais quand vous la mettez, elle est vraiment, c'est une espèce de mousse en fait. C'est la crème, hein. Donc, c'est comme une espèce de mousse que vous mettez, que ça pénètre très très, 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 très vite et que ça laisse la peau très très douce. Franchement, j'ai adoré à utiliser ce produit. Donc, je vous le conseille à 1000% si vous pouvez le trouver. Bon, je ne sais pas où je l'ai eu. Je pense que c'est un produit bio. Je pense que j'ai dû l'avoir dans une beautiful box. Je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Mais franchement, j'ai adoré à utiliser ce produit. Il est vraiment très très bien. Et c'est un produit cruelty free et vegan. Donc j'ai adoré à l'utiliser. Et il faut que je regarde où je peux le retrouver. Parce que franchement, c'est un très 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 bon produit. Donc voilà sur ça. De la marque Ambia Cosmétique, un gel douche comme ceci. Donc ça vient de chez Aldi, donc c'est un produit vegan et c'est une crème de douche à la camomille comme ceci, j'ai adoré. Et je l'ai eu à 69 cents chez Aldi parce qu'il était en promotion et franchement c'est un très très bon produit. À petit prix en plus. De la marque Cartier, donc j'ai utilisé un kit multi-masking à l'argile. Donc il y avait le gommage et trois masques. Donc il y avait l'argile vert que j'utilisais sur le front et sur le nez, le rose que j'ai utilisé sur le joue et le jaune que j'ai utilisé sur le menton. Franchement un très très bon produit, et il y avait une petite brosse en fait pour un petit pinceau en fait pour appliquer le masque. Franchement un très très bon produit que je vous conseille, et moi je c'est sûr que je le reprendrai. Donc la marque Cartier, j'aime beaucoup, et donc je vous conseille à 1000%. Voilà, donc si vous avez la peau mixte à grasse ou la peau grasse, franchement foncez dessus. Donc il est vraiment très très bien. Après c'est que mon propre avis, mais voilà, on est tous différents, hein. Heureusement qu'on est tous différents, mais bon bref, franchement moi ça m'a beaucoup beaucoup aimé. De la marque Nivea Men, donc mon mari il a utilisé un gel extra strong hold, donc le numéro 6 le plus fort. Ça c'est son chouchou après le dop, parce que le dop il est son préféré, donc il utilise ça depuis des années, et là ici on ne trouve pas les produits dop ici.
Donc, il fait son stock quand il est de passage en France. Et franchement, Angèle, il utilise le bleu. Chez Dope, et ici, il a pris celui-ci. Il en a testé plusieurs, mais celui-ci, en fait, c'est le seul en fait, qui se rapproche en fait, de Dope. Et franchement, ça, c'est tip-top. Hein. De la marque Schwarzkopf, de la marque de la gamme Aziz Plus. Donc, ma fille, elle a utilisé, enfin, j'ai utilisé aussi parce que je l'ai utilisé. Donc, un spray fixation extrême hein, comme ceci, ça, on a adoré. On l'avait en fait dans le calendrier de l'avant de chez Hush Shop. Franchement, ça c'est un très très bon produit. Et il m'en reste encore un petit en backup. La marque Axe, ma fille, elle a utilisé en fait un déodorant comme ceci. Elle aime bien utiliser les déodorants hommes. C'est sans aluminium et sans sulfate. Franchement, il est pas mal. Donc, je le reprendrai. La marque Love Beauty and Planet. Donc un shampoing à l'huile de coco et ylang ylang, j'ai adoré utiliser. Attendez, je me trompe pas de shampoing. Ah non, celui-ci j'ai pas aimé, c'est l'ylang ylang que j'aime pas. Donc voilà, c'est selon l'odeur en fait. Il y en a un autre que j'ai utilisé, il doit être là-dedans, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça je n'ai pas aimé à cause de son odeur et je trouvais en fait qu'il m'alourdissait en fait les cheveux, qui me graissait les cheveux trop vite. Donc voilà, ça je ne reprendrai pas. De la marque de chez Party Light, j'ai utilisé un désodorisant pour le linge et l'intérieur de la gamme Fresh Homme. Donc je ne l'ai pas utilisé sur le linge, je l'ai utilisé uniquement dans l'intérieur en fait, si on met rideau. Franchement, il était très très bien, il est topissime même. Donc c'est au citron frais, franchement, un très très bon produit et ça dure vraiment très très longtemps. Enfin, l'odeur dure très longtemps. De chez Essence, un concealer comme ceci, ça c'est ma fille qui l'a utilisé. Donc elle avait la teinte 10 Light Rose, franchement, un très bon produit à petit prix. De la marque La Roche-Posay, j'ai utilisé une crème légère, voilà, donc peau repulpée plus éclat, donc 72 heures, ça j'ai beaucoup beaucoup aimé, donc je pense que si je peux retrouver en grand, je pense que je rachèterai, parce que j'ai adoré, et il m'en reste encore plein de petits trucs comme ceci, des petits échantillons en backup. Et je vais vous montrer ceci avant d'oublier. Je suis en train d'utiliser cette crème là, mais elle est presque au bout. Hein. Peut-être que j'ai encore une utilisation et je l'achèterai. Jetterai. De la marque Estée Lauder. Donc j'ai utilisé cette crème là. Donc c'est une crème qui est teintée. Alors elle est grise, mais quand vous l'appliquez en fait, ça fait effet bébé crème. Et moi j'aime pas en fait parce que j'ai l'impression en fait. Qu'elle me teinte trop en fait quand j'applique le fond de teint, comme ça on la voit pas en fait, mais quand j'applique le fond de teint, j'ai l'impression qu'elle me teinte trop le fond de teint. Donc voilà, il y avait un SPF 15 dedans, mais voilà, c'est pas mon, j'aime pas en fait ce genre de produit, donc je ne rachèterai pas. Donc de la marque The Body Shop, j'ai utilisé un gel douche en fait comme ceci à l'orange. J'ai adoré à l'utiliser. Et franchement, les produits en fait de chez The Body Shop, j'adore. Que ce soit des produits visage, que ce soit des produits corps, franchement, j'adore. Et celui-ci, je l'ai adoré. Là, en ce moment, je suis en train d'utiliser une crème. Enfin, c'est un baume corporel que j'utilise pour les pieds. C'est à la fraise. Enfin, c'est un beurre, c'est pas un baume, c'est un beurre corporel. Franchement, il est magnifique, il est trop bien, il est trop trop bien en fait. Moi, je l'utilise uniquement pour les pieds en ce moment. Parce que comme je porte que des baskets en ce moment, au boulot, je porte que des baskets. Donc, j'ai les pieds qui sont desséchés en fait. Et franchement, avec cette crème-là, avec le beurre corporel en fait, chez The Body Shop, c'est parfait. Donc, bref, passons au
produit suivant, donc c'est un produit de la marque Repair de chez Leclerc, donc c'est de la marque Natheis à la pamplemousse rose et aloe vera. Donc ma fille, elle a utilisé un spray de mélange sans rinçage, donc il est très très bien celui-ci. Donc il est à petit prix chez Leclerc et je pense que je pourrais le racheter si je le trouvais. De la marque Satin Care Sensitive, donc un gel à raser, donc à l'aloe vera, ça c'est ma fille qui utilise. De chez Version D, donc je jette deux dentifrices comme ceci, un à la réglisse et un à la menthe. Franchement, je suis dégoûtée parce qu'ils étaient au fond de mon tiroir et ils sont périmés maintenant. Et voilà. Mais j'aime beaucoup en fait ces produits-là. De la marque Dop, je pense que je dois en avoir encore un. Hein. Donc on a utilisé des gels douche comme ceci, donc un au parfum des barquettes à la framboise. Attendez, parce qu'il y en a un que je n'ai pas aimé. J'ai bien aimé en fait les deux. J'ai bien aimé les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y en a un que je n'aime pas. Donc celui-ci, j'ai bien aimé. Et celui-ci aussi, c'est au parfum de myrtille sauvage. Ça, j'adore. J'adore. Donc les deux, je serais susceptible de les racheter. De la marque Aquafresh en dentifrice. Voilà, comme ceci, je reprendrai. De la marque The Body Depth, donc ça vient de chez Action, c'est un masque fraîcheur, donc un masque en tissu. J'ai beaucoup aimé, donc il faut le laisser poser entre 10 et 15 minutes et rincer après. Faire pénétrer le produit. Moi je rince, parce que je rince tous les produits, donc voilà, j'ai rincé ça aussi et j'ai appliqué ma crème après. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai plus le bouchon, mais j'ai terminé une laque de chez Sayos. Donc, c'est le numéro 5. Donc, c'est la numéro 5 la plus forte. Donc, ça, j'adore. Donc, je reprendrai. Là, je suis en train d'utiliser une petite chez Schwarzkopf que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez Hash Shop. Ce n'est pas la même, en fait, que je viens de vous présenter. Mais une autre. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que je rachèterai en fait. Donc là, je pense que je vais y aller faire aussi y aller en fait sur le site pour voir en fait les promos parce que là en ce moment il y a les soldes aussi ici. Donc je pense que je ferai un petit tour en fait pour voir. De la marque My Little Beauty, une brume florale, je la jette parce que je ne l'ai pas utilisée. J'ai pas aimé en fait l'odeur et il y a des petits pétales de calendula, il me semble. Je pense que c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous les voyez ici, mais franchement, je n'ai pas aimé. Donc, c'est non. Un fond de teint de chez Vichy, donc le Derma Blend, la teinte numéro 20, Vanilla. J'ai adoré ça. Et franchement, je vais le racheter. Parce que là, il me reste pas grand-chose en fond de teint. J'ai le fond de teint de chez Nocibé. J'ai le fond de teint de chez... J'en ai un de chez Essence que j'utilise et j'en ai un autre de chez Essence qui est plein. J'ai un de chez Nocibé. Si je ne l'ai pas donné à ma fille, je ne sais pas. Et après, j'ai plus rien. Donc, en fond de teint, en fait, j'ai plus rien. Donc, je pense que je vais me pencher sur celui-là. Donc, je vais essayer de le retrouver. Donc, je vais le mettre de côté comme ça. Je vais essayer de le retrouver. La marque Emma Hardy, j'ai utilisé une crème revitalisante. Donc, elle était vraiment très, très bien. Et ça m'a duré... 2 semaines, j'ai utilisé en crème de jour et franchement elle était vraiment très très bien, la marque Emma Hardy, j'aime beaucoup et il me semble que j'en ai encore un backup de la marque Nuxe Bio. Donc ma fille elle a utilisé une crème comme ceci, donc ça on l'a eu dans le calendrier de l'avant de chez Nuxe, donc c'est une crème aux algues marines, voilà. Donc, c'était un fluide hydratant, correcteur de peau. Ça, elle a adoré. Elle m'a dit, maman, tu me le reprends. Donc, je vais essayer de le retrouver. Ouh, ça coule. Donc, la marque Molfina, donc de chez Migros. On a utilisé, en fait, la lotion lavande pour usage intime. D'habitude, j'utilise la marque Intima, mais là, ici, je la trouve pas. Donc, j'ai fait un stock quand j'étais de passage en France. Et là, franchement, quand j'ai pas la marque Intima, j'utilise celle-ci, la marque Molfina.
Franchement, j'aime beaucoup. De la marque Essence, un mascara. Donc, c'est le mascara Lash Princesse, comme ceci. Regardez-moi le packaging, il est très beau. Je vous montre la brosse vite fait. Donc, comme ceci. J'ai adoré à l'utiliser. Je pense que je vais le racheter. Je pense que je vais racheter ce mascara parce que celui-ci, je peux l'utiliser en fait aussi sans mettre de base. Franchement, sans base, c'est impeccable. J'ai utilisé de la marque Biffin et je ne l'ai pas utilisé jusqu'au bout parce que ça m'énerve. Il faut que j'appuie comme une malade pour sortir le produit. Donc, c'est un gommage, un exfoliant à base de sucre, d'amande douce et d'avoine. Franchement, ça, c'est un très, très bon produit, mais j'en ai marre. J'en ai marre de sortir du produit d'appui, en fait, comme une malade. Je l'ai utilisé à moitié. Donc, voilà. Je le jette maintenant. Mais si je le retrouve en pot, je le reprendrai en pot. De la marque Yves Rocher, j'ai utilisé une crème pour les mains à l'argan et à la rose. Donc, ça, j'adore. Ça, j'adore à utiliser. Donc, je reprendrai ceci. Il me semble que j'en ai encore un backup. De la marque Pantene Pro-V, pardon, un après-shampoing comme ceci. J'ai adoré l'utiliser. Ça laisse les cheveux doux. Ça les parfume. Et franchement, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur et ça reste très, très longtemps, en fait, sur les cheveux. Donc, voilà. Donc, je reprendrai. De la marque Modelite, un fond de teint compact comme ceci. Donc, il est utilisé peut-être une fois. Comme vous pouvez voir, donc juste une fois. Et franchement, je ne le rachèterai pas. Je n'aime pas, j'aime pas en fait ce genre de produit. La marque Unique, donc un mascara comme ceci, une base comme ceci. Donc je vous montre la brosse vite fait. Elle était vraiment parfaite. Là en ce moment, je suis revenue en fait sur la base de chez Essence. Et franchement, ma foi, là elle me convient mieux. Mais il faut que je la laisse ouverte pendant quelques jours pour, je sais pas, je trouve que les premiers jours, elle ne fait rien en fait sur mes cils. Ça me bouffe le mascara. Et après, quand je laisse ouvert 3-4 jours, voilà, après elle est parfaite. Bref. J'ai beaucoup aimé en fait ce mascara de chez Unique. Donc après, si vous avez des cils fins comme moi, n'hésitez pas à vous pencher envers cette base, pardon, parce qu'elle est vraiment topissime. Moi, je l'adore. Hein. Franchement, je l'adore. La marque Balmy, donc ma fille elle jette parce que bon, elle l'a utilisé mais il a périmé. Il a une drôle d'odeur. La marque Balmy, un baume à lèvres comme ceci. Donc il était bien, mais voilà, j'en ai un aussi. Donc il faut que je regarde le mien, est-ce qu'il est encore bon. De la marque Elemis, donc Pro Collagène, pardon, Marine Crème, comme ceci. Ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de chez Look Fantastique. Et c'est une crème de jour anti-rides. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et franchement, elle m'a duré 2 mois. Donc, je l'ai bien raclée, comme vous pouvez voir. Elle m'a duré 2 mois sous de 50 ml, franchement. Très, très bonne crème. Hein. Et très hydratante aussi. Hein. La marque Elemis, j'ai terminé un Sanex, un déodorant Sanex comme ceci. Mais je n'aime pas. Donc, c'est un déodorant en stick. Je n'aime pas et je ne rachèterai pas. De la marque Lancôme. Donc, de chez Lancôme, j'ai utilisé le 1.27 Génifique comme ceci. Là, j'ai eu pour 2 mois. Pour 1 mois, pardon. Les 2 flacons. Les 2 petits échantillons pour 1 mois. Donc, c'est la 27 Génifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et si un jour mon budget il est un peu plus élevé, en fait. Mon budget beauté, donc je pense que je vais me reprendre en fait ce produit là parce qu'il est magnifique. Ça repulpe la peau, ça change, ça se voit en fait. La marque Yves Rocher, donc ma fille elle a utilisé un mascara comme ceci, ça sert à rien. Donc voilà, c'est un mascara comme ceci. Donc voilà, je pense pas, et je sais même pas si c'est d'actualité, mais même si c'est d'actualité, en fait, je ne reprendrai pas. Alors, de chez Guerlain, donc ma fille, elle a utilisé un fond de teint éclat naturel tenu 16 heures, donc avec un SPF 20 dedans. Donc, il hydrate et protège de la pollution. Et elle a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, regardez le joli packaging comme ceci. Elle avait la teinte 00C. Franchement, 00C porcelaine rose. Voilà,
Donc, ce fond de teint-là, il est vraiment très, très bien. Moi, je l'ai pris pour moi, mais pour moi, il était trop, trop, trop clair. Et donc, là, je lui ai donné et elle m'a dit, mais maman, il est magnifique. Et franchement, je pense que je vais lui reprendre, en fait, ce petit produit. Et il me reste encore quelques produits. Donc, de chez Action, un mascara comme ceci. Ça fait partie d'un lot avec une palette, il me semble. Et avec un crayon, un cool. Donc, regardez la brosse. Là, je l'ai utilisé une fois et je me suis dit, c'est pas possible. C'est comme si je mettais rien. Donc, voilà. De chez Cacharel. Donc, le parfum Yes I Am. Donc, ça, j'adore. Un petit échantillon comme ceci. J'adore l'odeur. De chez Nivea, un contour des yeux comme ceci. J'ai adoré à utiliser. Donc, c'est le hyaluron cellular filer plus fermeté comme ceci. Donc, ça, je reprendrai. Et le dernier produit, non, c'est pas le dernier. Donc, l'avant-dernier produit, je jette un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est le grand rouge, la teinte numéro 101 satin. Voilà, donc il a tourné sa Saint Laurent, donc c'était cette couleur-là, c'était une très jolie couleur qui faisait effet gloss, donc franchement j'ai beaucoup aimé, mais c'est dommage, je le jette. Et le dernier produit, là c'est vraiment le dernier produit qui vient de la marque Argilette Laboratoire, un argile vert, un masque à l'argile verte, donc voilà, qui fait visage uniquement, bref. Donc voilà, ça c'est un très très bon produit, donc je vous conseille aussi. Donc j'aime beaucoup faire des masques à l'argile verte de temps en temps et franchement ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc là je regarde en fait ma titi parce qu'elle me regarde et se demande qu'est-ce que je fais parce que je l'ai récupérée. Là quand j'étais de passage en France, je l'ai récupérée parce qu'elle était chez ma mère. Et franchement là elle est en train de découvrir tous les coins en fait et... Là, elle apprécie en fait parce qu'elle est tout le temps sur la terrasse et elle dort même sur la terrasse. Franchement, elle est incroyable. Donc, parce qu'en France, elle avait pas de terrasse et elle était que à l'intérieur et là, elle reste tout le temps dehors. Donc, bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!